J'ai peut-être bien la face noire, puis la peau craquée. Ben, j'ai les mains blanches, monsieur. La Sagouine, personnage mythique de l'Acadie, a été créée il y a près de 50 ans. Jusqu'à maintenant, seule Viola Légère avait tenu ce rôle. La comédienne Lorraine Côté s'est vite prise d'affection pour ce personnage et le texte d'Antonine Maillet. C'est un personnage extraordinaire, d'une grande naïveté, d'une grande générosité. La poésie est magnifique. Le pire temps pour le pauvre monde, c'est quand c'est qu'il se passe au diable. Pas de guerre, pas d'inondation. Elle raconte sa vie de tous les jours, sa misère de tous les jours, de ce qui s'est passé au début du 20e siècle. Quand le gouvernement les aidait pendant les crises, ben là, c'était la manne pour eux. Quand c'est que t'es porté à te plaindre, regarde autour de toi, tu t'apercevras que la vie est malaisée pour tout le monde. Pour ce rôle, Lorraine Côté s'est familiarisée avec le chiac, un langage franglais typiquement néo-brunswickois. C'est très musical, avec l'accent, évidemment, l'accent chiac qu'on essaie de reproduire, que j'essaie de reproduire du mieux que je peux, là. C'est la beauté de la langue. C'est d'une énergie incroyable. Tu n'auras pas à partir tout de suite. Il faut que je sois, je pense, délicat avec toute cette matière-là, puis juste de la mettre le plus possible à l'avant-plan, avec mon interprète, avec la musique, avec les éclairages, mais que ce soit pour le texte, qui est toujours aussi pertinent puis percutant. Ça nous ressemble un peu aussi, les Québécois, quand même. On a un petit peu vécu la même situation là, de recherche d'identité, puis de sa place dans le monde, dans le Canada. La première de la Sagouine au Théâtre du Trident aura lieu le 22 septembre, dans une salle pouvant accueillir 130 spectateurs en distanciation. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.